mettez les oreilles tout près du soleil. Voici Tina Arena avec Aller plus haut. Tina Arena. On va Tina, puisque cette émission est dédiée aux années 90. Avec Fabrice, on revisite les années 90 et on va retrouver un tube. Ah oui, en fait, en 1998, décennie. Les Français font votre connaissance avec, bien sûr, le film Le Masque de Zorro. Ah, oui. Vous chantez en duo avec Marc Anthony, oui. I Want to Spend My Lifetime Loving You. Vous pouvez nous en faire un petit peu? Allez. I want to spend my lifetime loving you. If that is only life I ever do. Merci. Et là, on voit Zorro débarquer quand même. Hein. On l'imagine. Bravo, Tina. Merci.
Alors, premier disque d'or pour vous. Nous sommes donc à l'époque du Masque de Zorro. Ça marche très très bien en France. La chanson est un très grand succès. Nous sommes en fin 1998. Et alors, à l'époque, une chanteuse américaine va vivre un véritable conte de fées. Elle chantait déjà depuis 33 ans. On l'avait connue en 1965 avec son mari, c'était le fameux duo Sonny et Cher. Donc là, vous me voyez venir. Cher revient à plus de 50 ans dans toutes les boîtes. On n'entend que ça. C'est un immense succès, le numéro 1 en France et partout dans le monde. Elle n'a pas bougé du tout. Elle est plus jeune que jamais, plus belle que jamais. Et elle chante en 98 « Believe ». C'est vrai que ça a mis le feu sur les dance floors. Ah oui, vraiment. Et vous le disiez avec une Cher plus jeune que jamais, parce que Cher rajeunit à mesure que nous on vieillit, ce qui est quand même quelque chose d'assez rageant. Elle revient tous les 7 ans et à chaque fois elle est encore plus jeune. Et à chaque fois elle a rajeuni de 7 ans. Et là en plus elle est restée 17 semaines dans les 3 premiers du top en France. Et pas qu'en France, bien sûr. Oh, tout le monde. Allez, on continue justement notre balade dans les années 90, parce que comme vous, Tina, d'autres artistes ont vu leur carrière débuter dans les 90s, comme on dit. Je vous propose de faire un tour d'horizon des révélations de cette décennie. Regardez. Voici donc pour certaines révélations des années 90. Vous remarquerez justement l'avènement des grandes voix dont Tina Arena fait partie. Tina, merci mille fois d'être venue sur ce plateau. C'est moi, merci. Vous sortez merci à vous. Prochainement un best-of sur lequel on retrouve toutes vos plus belles chansons et puis une chanson inédite avec un jeune chanteur qui a une voix incroyable, qui s'appelle Jay, des Poetic Lovers. Oui. Et puis vous viendrez sûrement nous retrouver sur ce plateau. Merci d'être venue, Tina. Oh non, c'est moi, merci à vous. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Allez, on change d'univers. Et oui, hein, la décennie 90 a été riche en style de musique et notamment en rap. En